Quel est l'artiste qui peut se mesurer à Maître Gims ici au Congo? Commençant par en haut jusqu'à Bébé Tchanda. Zakari a confirmé que c'était plutôt Fally qui était choisi, mais héritier, il a d'embellage pour les concerts qu'on n'a pas compris. Notre gars Zakari Babasso, il ne devrait pas répondre cela. Je ne sais pas qui l'a intoxiqué, mais il ne devrait pas répondre que héritier n'est pas venu pour la foire internationale du tourisme. Il est venu pour un petit show là, comme il ne devait pas faire ça. C'est juste, vous savez, on doit toujours valoriser. Mais comment Fally est qu'on a dit comment Fally? Zakari a dit que c'était Fally qui était choisi comme le représentant de tous les artistes congolais. Selon leur association. Et avec les Papi Mboma, leur association là. Oui. Et on les petits polémiques. Je sais pas, ça c'est, il faut demander à ministre Bodero Timba et leur association qu'on n'est pas. Qui va bien gagner? Qui peut se mesurer à Maître Gims? Musicalement, financièrement, internationalement, tout ça là, c'est que vous voulez qui? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a même, chez Maître Gims, il n'y a pas. Donc après Maître Gims là. Pourtant, là, Bakoulou, tout Bakofi, Bazali, Bajibe, Bawera, Bafali, Baferé. Je n'ai pas dit que Kofi Olomide, ce n'est pas quelqu'un. Kofi, c'est une légende limitée. Gims, ce n'est pas le niveau de Kofi. Voilà. Qui d'autre tu vas citer? Tu as dit Kofi, qui d'autre? Faut continuer. Fally. C'est pas le niveau de Maître Gims. Continue. Ferré. Pas niveau. JB. Je t'ai dit qu'il n'y a pas niveau de Maître Gims. Continue, moi comment je dis quelque chose. Après, les gens vont polémiquer. Moi, c'est pas polémique, j'ai dit la vérité. On n'a pas un artiste comme Maître Gims au Congo. Héritier. Ah, pas faut laisser. Je t'ai dit que pas niveau de Maître Gims. Si même Dadjou là, c'est pas niveau de Gims, vous allez arriver quand. Et puis aujourd'hui, quand vous dites que le Congo a rejeté Maître Gims, la France aussi a rejeté. Il est au Maroc. C'est l'ami du roi. Il est multimillionnaire. Bientôt là, il peut même être milliardaire. Ce serait le premier artiste congolais depuis l'histoire du Congo. Depuis Kassavubu, même s'il y avait quelqu'un avant Kassavubu, jusqu'à aujourd'hui, c'est Gims. Donc, à l'équipe, Michel Nabisso et Mboka Nabisso. Mon frère, il peut nous. Maître Gims. Il peut nous étalonner comme ça, il paye quelqu'un chaque mois. Oh. 5000 dollars. Donc, Maître Gims, nous allons au foot, Michel Nabisso, moko. Papa, c'est quelqu'un qui porte, il porte pas les montres de 150 000 dollars. Bon, moi, j'ai porté la montre qu'il m'avait offert après concert à Abidjan. Au démarre piqué là, c'est 45 000 euros. 45 500. Ils ont dit non, des concerts. Non, mais. Papa. Concert à Bété, il y a du coup tout le bilan. Non, cette année-là qu'on vient de passer, quand on a clôturé 2021, c'est avec Dadjou. Mais quand on avait clôturé 2020, c'était avec Gims. Gims. Oui. Donc, si tu as dit que tu as mis un abisso, tu as dit que 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 Gims va dire Charles Tabou. Yes. Allez, mon frère, paye-le 100 000 par chacun. Chaque mois. Non, les musiciens qui ont été en République démocratique du Congo, ils ne sont pas en train de se faire. Il n'y a pas de la solidarité, il n'y a pas de l'amour du prof. Faut arrêter ça. On était au deuil de. Défort. Tu avais bien vu, non? Général Défort, tout le monde. Tu as vu là où Erasson a serré la main à Ferregola. Tu as vu là où Jibem Piana a dit bonjour à Kofi. Hein? Tu as vu là où Félix Oiseau et Kofi sont parlés. Ils étaient tous là, moi-même j'étais là. En tout cas, je lance l'appel aux gens. Si quelqu'un croise des Ingwes Maché là. Des Ingwes sont musiciens, prophètes de Niles. Les trucs là. Si quelqu'un lui croise, il n'a qu'à m'appeler. Je vais appeler Demiap. Si on ne l'arrête pas, il ne va pas être exemplaire. Même Vital Kamerhe, on l'a arrêté dans ce pays. Hein, pour montrer qu'il y a l'état de droit. Denis ne doit pas l'arrêter parce qu'il est qui? Le président n'est pas son ami. Voilà, c'est dès l'État va plus pardonner. Tu voles l'argent de l'État, pendaison. Une chef là, on va plus s'amuser. Tu incites le président de la République un an, pas au président Makala. Tout le monde va aller te voir, vous allez rigoler. Demiap, Ouagadougou, sous-sol. Tu vas crever là-bas, là. N'importe quoi. Quand il va sortir après un an de sous-sol, je pense que c'est de là où il va devenir un vrai prophète.
changement dans la mentalité là qui veut dire faut respecter nos autorités. Le peut respecter à sa prophète. Oazo sunga batou. Tomona rababa. Bande qu'on a biso ba peignel nyoso ba répandre. Arrête-moi avec des antivaleurs comme ça. Quelqu'un qui ne respecte pas un chef de l'État, je ne peux pas le respecter. Mais un prophète, Moussa Lanzambe, prophète Denile. Nous tous, on est des prophètes. C'est un humain, non? Il mange Bondou, il mange Makayabou. Lui, il mange pas poisson. Toi, tu penses qu'il respire dans quoi? Il respire dans les kérosènes. Saint volonté, ayez! Saint volonté! Eye ko vibre makasi che Djongade, Ngandantaba, oye zali capitale y ambiance. Awa na kati ya Paris, bisika oyo, moto nyonso, azali ko yapo na ko se detendre kitoko. Pona Saint Valentin oyo, dweba ke che Djongade Ngandantaba, ba chele bino 3 jours y ambiance, pona ko fete Saint Valentin. Ça va chauffer! Vendredi 18 février 2022, boko zwa Suzuki Luzubu 4x4, Dobolo Fils. Oyo ako bini sabino joli kitoko na barumba pe na ba danse ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te ozako lia ozako bina ozako sepela Saint Valentin pe samedi 19 février 2022 bokozwa CNL Alligator et les autres bako sepeli sabino na musique kitoko po awa irataka na ngote pe dimanche 20 février 2022 sombele suka bisanga bokozwa Emile Elias de Mingongo la voix qui cloche et le mona wenge musica poussa la tofanda ça va chauffer et cause à la somme on a niveau à 2 fois te pour ce djonga denga dans taba 3 jours ya Saint Valentin et cause à la somme adresse Zaka Kasemoko 12e rue puis Dixme 94-310 Orly tope obengi na numéro ya téléphone oyu 063-54-75-181 Ozamo Bimba ce djonga denga dans taba Yangonde zali capitale y ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter ba gangi. Balobi to bonso na te les salis fête. Otie koli lelo partout dans le monde lobi na ngo bazwi. Otie lelo na Paris, lobi na kine bazwi. Otie na Paris, muteta zina zwi. Otie bolo babi Emmanuel. Hein? Les salis fête, ya yemei Emmanuel. Otie koli lelo lobi dozwi. To yeba Valeria Emmanuel sia, oya linga ka vu de loin. Tinde langa na les salis fête. Otie lelo lobi nazwi. Ayona. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobanga te so monika agence fret ou eza ya fondation de salisi ya Emmanuel tabilo ko lelo lobi ozui ah Emmanuel quel miracle quel miskit tala kosia photo pesio biso na sapuna fret na biso tuke na markete na Satorus Emmanuel fondation de salisi fret tuke tutie biloko na biso wana tukuzwa yango nanga tutieri yango nanga pe tukukutira yango ndako zana conscience ya fret fondation Emmanuel tia biloko na yokuna ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti hier na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekeni na poto uti kuna ekuzwa makaka Emmanuel fondation de salis tantôt ça bino fondation pour bango babanda na biso na fondation depuis kala ti lelo to komi ba immeuble azaka kawana na biso to ebino Emmanuel fondation fret ofret ta kabilo kono wapi koti sa kabilo ko wapi sa ba 2 ans 3 ans point koma olembi mais awa nde makambu bata pende to zo linga po makambu e kende liboso o che bilo kone lelo o zwi lobi o che lelo o zwi lobi nga la komanda ki neti na nga lobi lelo na zwi yango na lati awi to zo musikate na France na France na rimarkate bana chateau rouge wa ima kam na zo lobi la bana chateau rouge wa ima kam na zo lobi la biso e ratakate frete bilo kono mitu kalo ndengo zingi frete yango bilo kona yo frete ah frete apis mbongo mke bilo kebele ah Emmanuel ya fondation lisali si frete yonde makambi. Merci Lenga Congo TV Martin Engi double vitesse affisée ensemble na yorobo swag
toujours continuer vraiment koutanae Abidjan Kinshasa ne te jouer awa pour espérissa babonné nyo solenga Congo TV surtout ba o ba koti 2020 nzamba pamboli biso afungole biso porte potokota. Merci vraiment na Ladi Fumu Moté Marlène Fumu oyo azota la biso maman Arlette Fumu na peso bambo te place ozali. Merci na Freddy Ndongala Irlandais Flat Hotel les Irlandais na Kitambo Velodrome Arishanik na pesi bambo te place ozali. Merci pe na Hugo Libanza papa Gucci. Merci na Junior Lang le jeune patron. Merci pe na Karisha Sadik la Finlandaise Yoro Boswag Tozano Awa Maureen la madre azota la yo la brésilienne Boni d'abord tobanda ki okoto somba et côté bazo pesa yo range na yo balobi binyo sobo komika na ba vitesse oyo soki osombi voiture ou bien ba kabelio il faut la sa na TV yo robot pourquoi ko la sa ba image wana ya range. Non mais c'est comme ça quand tu es un artiste tu dois dégager non. Quand tu dégages, tu as des moyens, tu peux te payer des belles voitures. Tu... Moi, je ne fais rien. Moi, je sais que chanter et créer. Mmh. Voilà. Donc, l'homme des innovations, le créateur. Mmh. Comme aujourd'hui, j'ai chanté État de droit. Mmh. Voilà. C'est la chanson qui chasse les insectes nuisibles à côté de Fatih Béton. C'est la chanson qui est venue soutenir la vision du chef de l'État. Autrement dit, IGF. Mmh. Parce que quand IGF est arrivé, les gens. Prenez, ils pensaient que IGF s'amusait. Quand ils ont compris que les gens commencent à partir à Boloko, les gens commencent à entrer dans les prisons, c'est là qu'ils ont compris que eh, ça commence. Maintenant, ils ont vu que Yoro Swag, à part ça, il a encore créé un petit truc pour soutenir. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que. Salut mon frère. Donc ça veut dire que. Soutenir chef de l'État. Soutenir chef de l'État et puis soutenir monsieur l'inspecteur général Gilles Alinguette. IGF toujours. IGF toujours. Donc anti-corruption. Mm. Donc ça bouge pas. Alors, chanson on a donc à Yorobo. N'a évité ce rosé la bise à votre tout na yo. Au fin de boue parti, c'est mission basé belé. Ba Kouloutou, ba Kofiolomide, ba Jibem Piana, ba Weranson, ba te belé, ba Ferre et ba Fali. Mais on dit mi qu'il y a au soutenir pour l'État des droits. Est-ce que. Na mboka na biso état de droit ezali pour na mono de jo koti na kati ya marambo ya politique au soutenir président de la République. Mais papa, l'état de droit existe. Mm. Si l'état de droit n'existait pas, tous les gros baleines, tous les gros poissons là, ils ne pouvaient pas aller en prison. À ce moment même, je pense que Fatih Béton va sortir un nouveau concept. Ça veut dire qu'on ne va plus prendre, quand tu voles l'argent de l'État, l'argent du peuple congolais, on t'amène à prison. Ça, maintenant, on va créer un nouveau système. Tu voles l'argent de l'État, pendaison, et puis on peut te liquider ou on peut te tirer. On voit comment on te tire. Ou carrément, on appelle tous les Congolais, on te coupe morceau par morceau. Hein? L'autre peut couper oreille, l'autre peut couper tes yeux, on peut te griller, on te mange. Voilà. Il faut que ça devienne comme ça. Voilà. Parce que les gens s'amusent avec ce pays. Mm. Il y a beaucoup. Écoutez la chanson. Mm. Le peuple congolais a trop souffert. Le peuple congolais a trop pleuré. À cause de qui Miyibi, ma ministre, Miyibi, ma PDG, Miyibi, ma gouverneur, Miyibi. Désormais, c'est fini. À côté de Fatih Béton, Bogo Oumé la tête, Boko Longwa. Oya Kome Kaka na Fatih. Ako ume la te ya kolongwa, o iba mongwa leta, oko kende na boloko, oko kende, o finga moko njamboka, oko, na ebi soke, balobi outrage, arrestation. Voilà, comme depuis que je suis arrivé là, on m'a dit que seul monsieur qui a fait outrage au chef de l'État, c'est pasteur, je ne sais pas comment il s'appelle déjà. Pour faire des lilles, ton côté. Ton côté. Merci. Morena, la madre, la brésilienne. Prophète Denis Les. Ah, moi, je pensais que c'était mon grand frère Désimbosé. Désimbosé. Non, c'était pas Désimbosé. Non, c'était pas lui. Donc, c'était pasteur. Non, il faut qu'il parte en prison. Oh. Oui, oui, oui. On m'a appelé. On m'avait déjà appelé. Mm. On m'a dit quelqu'un en manque de respect au chef de l'État. Non, il y a un des choses au loba. Oh, prophète. Denis Les. Il ne connaît pas son nom. Est-ce que Denis Les, est-ce qu'il pense qu'il est ami du chef de l'État? Asalini, Yorobo, Malembe, Malembe, Batoubazola Nabiso, Baladi Fumu. Je suis en train de te dire. Le président de la République, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Problème, Zaninam. Non, je te dis, il faut que les Congolais comprennent qu'un président de la République, il n'est pas ami de quelqu'un. Problème, Zanin, Yorobo. Problème, Nin, il y a des Nilés. Tous les gens, ils pensent qu'ils ont la confiance du chef. Mais arrêtez de vous confondre.
Yoroboto Solanan. Elle n'y a qu'on TV, Batou Bazolanda biso partout dans le monde. Trompez-vous, le chef de l'État n'a pas des amis. Il a des partenaires et des travailleurs. Mais ce ne sont pas ces travailleurs ni ces partenaires, car ils représentent, c'est le garant de la nation. Non. Donc, ils défendent le Congo. Ça veut dire que ces ministres-là que tu as, les députés, ce sont des travailleurs de la population congolaise. Ce sont que des travailleurs. Dans un moment, la population peut se décider quitter. Ils quittent. Donc aujourd'hui, quand je vois un pasteur, c'est même plus un prophète. C'est pas un prophète, attention. Hein. Prophète. Je connais pas. Prophète Denis. Je connais pas. Moi, tout ce que je connais, c'est que c'est un monsieur outrage. Il est un antipatrie. Pour moi, c'est pas un prophète ni un pasteur. C'est un antipatrie. Oui, oui. Lui, il peut pas être interpellé à la police. Lui, c'est détection militaire des activités antipatrie qui peut l'arrêter. Oh. Oui, Demiap. C'est ça un problème, il y en a prophète Denis. Non, mais je te dis, tu peux pas dire à un président, c'est un pétain. C'est pas ton ami. Vous respectez pas les chefs de l'État, pourquoi? Fatih Béton n'a pas commandé le pouvoir. C'est un président élu. On l'a voté. Tu n'as pas honte. Toi-même, tu n'as pas peur de dire président de la République, Fatih Béton, c'est un pétain. Il a fait du pétage. On depuis a prophète Moutalo bien. Depuis quand? C'est manquement de respect. Je ne sais même pas s'il était dans les bas de l'école. Oh, yo, bonsoir. Je ne pense pas quelqu'un qui a pitié de sa famille, il peut faire des choses comme ça. Est-ce qu'il a déjà la famille? Et salut au passé. Hein? Non, ça m'a fait mal. Vous ne respectez pas les autorités dans ce pays. C'est la honte d'être congolais. Bandela non, allo Benini. Oh. Oh, Fatih Béton, c'était pété. Il ne peut pas, il ne peut pas. Il n'a pas de droit. Il est qui? Même si on dit qu'il y a tas de droits. Mais vous êtes qui? Liberté d'expression, c'est pas dire à un chef de l'État que c'était pété. C'est pas ton ami. C'est le père de la nation. Hein, vous voyez, des gens comme ça, il ne faut pas venir me poser des questions, des individus comme ça, là, des antivalets comme ça. Il faut garder ça entre vous là-bas. Moi, je suis quelqu'un qui, en tout cas, dans la vie, on doit s'apprendre à se respecter. Tu sais, dans ces pays, si on ne se respecte pas, on ne peut pas aller de l'avant. C'est ça qu'on appelle changement de mentalité. Changement de mentalité là qui veut dire qu'il faut respecter nos autorités. Et on peut respecter les prophètes. Les sungabatou, tout le monde arrête-moi avec des antivalaires comme ça. Quelqu'un qui ne respecte pas un chef de l'État, je ne peux pas le respecter. Mais les prophètes, Moussa Lanzambe, prophète Denile. Nous tous, on est des prophètes. C'est un humain, non? Il mange Bondou, il mange Makayabou. Lui, il ne mange pas poisson. Toi, tu penses qu'il respire dans quoi? Il respire dans les kérosène. Il faut arrêter ça. Ok, la gézou a tebou kéké. On n'a rien à foutre, c'est à personne. Moi, je te dis que je ne peux pas passer plus d'une minute parler d'un individu comme ça. Changeons des actualités. Il y a beaucoup de choses à parler. Est-ce que Batou Bazo Luki Saye Ndolobi ou bien Denye? En tout cas, je lance l'appel aux gens. Si je croise si quelqu'un croise des Ingwes Maché là. Des Ingwes Maché là, musicien, prophète Denis Les. Les trucs là. Si quelqu'un lui croise, il n'a qu'à m'appeler. Je vais appeler Demiap. Il faut. Si on l'arrête pas, il ne va pas être exemplaire. Même Vital Kamerhe, on l'a arrêté dans ce pays. Hein, pour montrer qu'il y a l'état de droit. Denis ne va pas l'arrêter parce qu'il est qui? Le président n'est pas son ami. C'est dès l'état, on ne va plus pardonner. Tu voles l'argent de l'État, pendaison. Il chef là. On ne va plus s'amuser. Tu incites le président de la République. Un an, pas au président Makala. Tout le monde va aller te voir, vous allez rigoler. Demiap, Ouagadougou, sous-sol. Tu vas crever là-bas, là. N'importe quoi. Quand il va sortir après un an de sous-sol, je pense que c'est de là où il va devenir un vrai prophète. Là, il a encore coffrette. Voilà. Fabio Lamadidi, merci na Papi Chopanda Bambote na place aux Ali. Merci Pena Lombe de le Baoba na Peso Bambote place aux Ali. Ladi Fumu, Mote Maya Arlente Fumu, Bambote na mle place aux Ali. Alors, Yogobo, Toko Tananto, Toto Solano, Masolo, Olobi, à prophète. Bon, Wana, Etali Marambolobi. Alors, Toto Solano, Lelo, Ponayo. D'abord aux artistes et musiciens. Naibi Keto, Kotango, Vrimate. Nana Tuna Kyo Kessionna. Est-ce que Bino. Les musiciens qui ont été en République démocratique du Congo, ils ont été en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de la solidarité, il n'y a pas de l'amour du prophète. Il faut arrêter ça. On était au deuil. Des fois. Tu avais bien vu, non? Général, des fois, tout le monde. Tu as vu là où Rassona a serré la main à Ferregola. Tu as vu là où Jibem Piana a dit bonjour à Kofi. Hein?
Tu as vu là où Félix Oiseau et Kofi sont parlés. Ils étaient tous là. Moi-même, j'étais là. Voilà. Quand entre grands là-bas, là, ça ne marchait pas. Non, moi j'étais à côté du premier ministre Sama Lukonde. À ma gauche, il y avait gouverneur. Après gouverneur, il y avait Sama Lukonde. Donc, moi je ne suis pas allé. Papa, à chaque fois que tu veux m'interviewer, moi je te dis que moi je suis un vrai ambassadeur. Je défends ma nation. Je vends mon pays aux diaspora. Voilà. Moi je ne chante pas pour m'amuser. Et puis j'aime mon pays. Je côtoie tous ces vieux-là sans polémique. Moi, je suis quelqu'un de personne. Tu me salues, je te salue. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est comme ça. Dans la vie, on doit prendre être vrai. Donc, vous ne êtes pas ici. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. On est parti pleurer des fois. On a entendu seulement qu'il y avait des grades et des fonctions. C'est moi qui étais. C'est moi qui étais. En tout cas, les gens ils doivent se souvenir, c'est moi pour la première fois, quand des fois avait fait comme ça, il était avec moi. C'est comme si on attend. On vit toujours les gens Congo Tibi qui tocent. Ce pays-là, vraiment, franchement, Fatih, mais tu avais raison. Non, ce pays-là, il faut se repentir, toute une nation. Mais c'est pas comment il va s'appeler en place, voilà. Ah, papa, d'autres sont venus avec les Bomanyoka. À l'époque, quand on était en train de prendre le commando, les gens ils blaguaient avec ça. Aujourd'hui, c'est devenu un monde. Hein. Bomanyoka. Ah, Chodi, les chiens ils mettent sur place. Voilà. Non, mais ça fait plaisir. Les temps en temps, quand on sort, on revient dans notre pays. C'est notre nation quand même. Mais on doit se respecter. Voilà. Le respect doit être mutuel. Le respect est réciproque. Voilà, c'est très important. Mais l'union. La solidarité là, l'union là, on n'en a pas. Voilà. On n'en a pas. Aujourd'hui, ça me fait mal. Je me suis réveillé ce matin, je vois des Congolais en train de clasher Maître Gims. Surtout les Kamouya, Maître Gims, Yorobo Swag, Toko Tango Penan. Quel est l'artiste qui peut se mesurer à Maître Gims ici au Congo? Commençant par en haut jusqu'à Bébé Tchanda. Même pas jusqu'à Bébé Tchanda, parce que Bébé Tchanda, il est même plus grand que Inos B. Commençant par en haut jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a des artistes moins âgés que Inos B? On peut s'arrêter à Inos B. Non. Ou on peut s'arrêter à Inos B. Qui est l'artiste qui peut se mesurer à Maître Gims? Musicalement, financièrement, internationalement, tout ça là, c'est que vous voulez qui? Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Il y a même, j'ai Maître Gims, il n'y a pas. Donc après Maître Gims là. Pour toi, bah Koulou, tout bah Kofi, bah Zali, bah Jibé, bah Wera, bah Fali, bah Ferré. J'ai pas dit que Kofi Olomide, c'est pas quelqu'un. Que Ferré, c'est une légende. Limité. Gims, c'est pas le niveau de Kofi. Voilà. Qui d'autre tu vas citer? Tu as dit Kofi, qui d'autre? Faut continuer. Fali. C'est pas le niveau de Maître Gims. Continue. Ferré. Pas niveau. Jibé. Je t'ai dit qu'il n'y a pas niveau de Maître Gims. Continue, moi, comment je dis quelque chose. Après, les gens vont polémiquer. Hein. Moi, ce n'est pas polémique, j'ai dit la vérité. On n'a pas un artiste comme Maître Gims au Congo. Hérité. Ah, papa, faut laisser. Je t'ai dit qu'il n'y a pas niveau de Maître Gims. Si même Dadjou, là, c'est pas niveau de Gims, vous allez arriver quand. Et puis aujourd'hui, quand vous dites que le Congo a rejeté Maître Gims, la France aussi a rejeté. Il est au Maroc. C'est l'ami du roi. Les Congo a rejeté Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Son corps est là-bas au Maroc. Ça fait quoi? Ça change quoi? C'est quoi souhaiter bah Joël Noël? Aujourd'hui, Gims, si il change nationalité, devient marocain. C'est la perte de qui? Du Congo? Vous avez perdu une légende. Donc ça veut dire que quand on dit que c'est un Congolais né au Congo, on ne va plus parler de comme ça. On va parler un marocain. Et vous avez perdu quelqu'un. Lui, il n'a rien à perdre. Il est multimillionnaire. Bientôt, là, il peut même être milliardaire. Ce serait le premier artiste congolais depuis l'histoire du Congo, depuis Kassavubu, même s'il y avait quelqu'un avant Kassavubu jusqu'à aujourd'hui, c'est Gims. Donc, à l'équipe, Amissé, Nabisso et Mboka Nabisso. Mon frère, il peut nous. Maître Gims. Il peut nous étalonner comme ça. Il paye quelqu'un chaque mois. $5,000. Donc, Maître Gims, nous allons au foot, Amissé, Nabisso, Moko. Papa, c'est quelqu'un qui porte. Il ne porte pas les montres de $150,000. Bon, moi j'ai porté la montre qu'il m'avait offert après concert à Abidjan. Au démarre piqué là, c'est 45 000 euros. 45 500. Ils ont dit non, concert. Non, mais. Pff, papa. Concert à Bété, il y a Djoukou tout le bilan. Non, cette année là qu'on vient de passer. Quand on a clôturé 2021, c'est avec Dadjou. Mais quand on avait clôturé 2020, c'était avec Gims. Oui.
Donc, si tu as dit que tu es un leader, tu leader, tu es un leader. Tu es un leader. Chaque mois, 100 000 dollars. Gims va dire Charles Tabou. Yes. Allez, mon frère, paye-le 100 000 par chacun. Chaque mois. Tu as dit que tout le monde va faire là. Moi d'abord parce que moi, oui, je prends mes 100 000, je pars. Après le reste là, il n'a qu'à prendre les 100 000 aussi. La dit Foumou, la dit Foumou, monté Marlette Foumou. Quand on fait des petites discussions des artistes congolais, il faut enlever Gims dedans. Oui, ouais, il faut enlever. Faut enlever. Félicien Siala na kati ya Afrique ici na pesio bambo te place aux Ali. Alors tokotana nous masolo oyo. Hein yorobo, li solo ya hérité Watanabe ambassadeur. Il a fait quoi? A Mimiki Sundora na Paris, à Belgique, bah Espagne. Ça dit qu'il y a un problème, les missions ils ont fui. Non, tout solo là quoi? Aza artiste ya moko na biso. Je suis pas Daddy Mola. Je suis pas qui le non. Sidibaya. Je suis pas lui. Mais là quand tu me poses, je suis pas ni Charu Benga, si c'est qui là, tout ça, je suis pas dedans. Mais quand tu me dis attaque mon ami d'enfance. Assis, attaque mon ami d'enfance. Musicalement, je ne vais pas entrer dedans. Ah, c'est pélité, il n'y a pas de travail. Non, je ne travaille pas là-bas, je ne suis pas de Baya, de Bola, de machin. Moi, je ne suis rien dedans. Donc, je suis un artiste comme lui, c'est mon collègue, c'est mon ami d'enfance. Oui. Mais au Kolo Batenda Kei, à Mimba Mission, j'avais déjà sauté, je l'avais jeté des fleurs. Moi, j'ai dit, c'est à travers les médias qu'on avait vu qu'on avait surnommé Hérité Watanabe ambassadeur de tourisme. Voilà. Mais on n'a pas compris quand Zakari Bababa a dit que surtout, il vient pas ici pour le tourisme, il vient parce qu'il est venu jouer à un petit soirée là quelque part. Et puis réellement on a regardé, le concert c'était dans un petit salle comme Coco Jumbo comme ça. Et puis il y avait des... Non, on n'a pas compris ça. tu vois, c'est ça qu'il faut que... Lui-même quand Hérité va revenir, vous les journalistes, vous avez... Conférence de presse doit être faite et puis voilà. Moi ce que j'aime pas... C'est que honorable Zakari Bababa, c'est mon grand frère. J'étais avec lui-même là récemment. Là. Voilà. Parce que le décembre passé, Fally avait ce concert. Mais moi, j'ai joué avec Dadju, tous les deux concerts. Voilà, donc rien à voir. Donc, notre grand frère Zakari Bababa, il ne devrait pas répondre cela. Je ne sais pas qui l'a intoxiqué, mais il ne devrait pas répondre que Héritier n'est pas venu pour la foire internationale du tourisme. Il est venu pour un petit show là comme il ne devait pas faire ça. C'est juste, vous savez, on doit toujours valoriser. Mais comment Fally est contacté en Andengeni? Comment Fally? Salé a dit que c'était Fally qui était choisi comme le représentant de tous les artistes congolais. Selon leur association. Et avec les Papi Mboma, leur association là. Oui. Il y a une petite polémique. Je sais pas, ça c'est faut demander à ministre Bodero Timba et leur association qui n'est pas. Qui va bien gagner? Je sais pas. Tu retournes sur Babengaginan. Oui. Donc, mais en tout cas, Zakari a confirmé que c'était plutôt Fally qui était choisi. Mais Héritier, il a d'embellage pour les concerts qu'on n'a pas compris. Bon, ça les regarde eux-mêmes. Hein. Nous, toi et moi, on a regardé. Oui. Mais sinon, s'il y a des questions, il faut poser leur porte-parole ou bien lui-même Héritier quand il va rentrer. Mais tout ce que je sais, c'est que quand il va arriver à Turquie, je pense d'aller, parce que je voulais partir tourner mes clips là-bas, je pourrais aller soutenir mon frère s'il a un concert là-bas, sans problème, moi je ne suis pas dedans. Voilà. Quelqu'un qui dit la vérité. Voilà. Je ne mange pas chez quelqu'un, personne qui paie ma maison. Merci na boss Pedro Banza na kata Turquie, merci pe na Patrick Weston na kata Turquie, na peso bambo te place aux Ali. Alors, to kanganini, moi je suis Junior Sanza. Non, ici même. Ah ouais. L'homme à la rose, c'est-à-dire que le seul monsieur qui a des Rolls et des S 2022, c'est lui. Il s'appelle Junior Sanza. Mutazo Sanza, ba Rolls na bambongo. Il y a solo. Mon solo, Junior Sanza. Donc en même temps, c'est un des partenaires d'Eric Mandala. L'incarnation de Fatih Béton. Eric Mandala. Le futur, oui, c'est lui. Parce que ces derniers temps, on doit valoriser. Fatih Béton avait dit, il va faire des millionnaires congolais. Oui, pas des Libanais ni Indiens. Oui, c'est des Congolais. Le Congo appartient aux Congolais. Donc, Neymona Baladine Foumou, Motema Arlette Foumou. Je ne sais pas s'il est millionnaire, mais Eric Mandala, on sait que c'est un vrai millionnaire. Oui. Junior Sanza, on sait que c'est un millionnaire. Voilà. Maintenant, les autres là qui te disent, on sait vérifier. Freddy Ndonga, l'Irlandais. Il a des immeubles au Congo. Bah, flat à miner, bah, immeuble à miner. Bah, immeuble, quoi. Mais je ne connais pas. Je connais pas. Mais tu tournes qui tombe au vélodrome à Réchanik, au monde à Flat Hotel, les Irlandais. Comment il s'appelle? Les Irlandais. Non. Freddy Ndongala, Irlandais. Il faut dire, il faut l'appeler parce que moi, il me voit. Non, tu. On fait rigoler la dynastie. Je connais pas. Ni entendu, ni vu.
Oui, bien. Merci. Donc, toujours continuer. Alors, bah, chanson nous comme Maka pour nous recouper ça déjà. Programme na bateau Hollande. Oya comme Ghana, Fati Beto, Ago Ume, La Terre, Ago Longwa. Bango bakanisa kaka kami yibi ezaba kuluna ndoande to koma pena na miyibi alati cravate oh je travaille chez Sama Lukonde muyibi oh je travaille à la présidence mais muyibi oui voilà donc 2023 on va chasser tous les insectes nuisibles à côté de Fachi faut taper le tuer les insectes les moustiques les cafards tuer arrêtez de nous mélanger avec les cafards tuer. Oh, Karisha Sadiga, boucani la Roseka. J'ai dit, on va tuer les moustiques et les cafards. Écraser les cafards, tuer les moustiques. Je pourrais même sortir une nouvelle danse comme ça là. Allez, tuer les moustiques, tuer les moustiques, tuer la mouche, tuer les moustiques, tuer. Allez, écraser les cafards. Donc, à côté de Fatih Beto, faut vous-même quitter. 2023, quand je vois les gens qui vont. Déjà la classe politique congolaise, on va tout dans renouvellement de la classe de la nouvelle classe politique congolaise. En tout cas, il n'y aura personne. Si tu sais que tu as travaillé avec Kabila à l'époque, tu ne vas plus retourner. Même ceux qui sont travaillés avec Fatih. Mais tout le monde va mener là, tout le monde va nous débarrasser de là, voilà. Bah bouchard, bah on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. 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 Et puis, Patrick Mouya a reconnaître que Bazaki va vivre Bazaki. C'était des précédents. Voilà. C'est juste un. Benda beauté. C'est rien à voir. Fatih Beto, comme il est là, remaniement va arriver avant la fin de l'année. Oui, oui. 2023 là, non, c'est nous-mêmes, en tout cas nous gardons Fatih Beto. À part Fatih Beto, on garde aussi François Béa. Oui, c'est un vieux qui travaille bien. Après, on garde Gilles Alinguete. Oui, donc trois personnes que j'étais citées là. Après, tous ceux qui restaient là, ça à revoir. Message et pas prophète, Denis Lez, prophète de la nation. Je ne connais pas, je ne le connais pas. Je ne le connais pas et puis selon moi, le nom là, Denis Ngwesi, je ne connais pas. Et puis, ce n'est pas un nom que moi, je peux dire un message pour lui. Tout ce que j'ai à lui dire, outrage au chef de l'État. L'homme de pétage. Lui-même, il va commencer à péter là-bas à Demiap quand on va l'arrêter. Merci, Elenga Congo TV. Quand tu es un anti-patrie, ce n'est pas mon problème. Oui, moi, je sais qu'on doit apprendre à respecter notre président de la République. Respectons nos autorités. Je n'étais pas de vraies autorités. Oui, comme Général Songo, il faut respecter. Comme le futur gouverneur, après 2020. Là, c'est qu'un an. Oui, le futur. Tu sais, dans l'armée, ça ne bouge pas. Mais le gouvernement, là, ça peut bouger à tout moment. Donc, je resalue le futur gouverneur de la ville après 2023. Oui, il a rappelé Yoro. Oui. Je ne connais pas encore son nom, mais ça va venir. Je salue le futur Eric Mandala, boss, millionnaire. Il vient en pouvoir avec son argent déjà. Abed Chou. Comme Bahati Lukobo, on l'a vu venir en gouvernement déjà avec son argent. Abed Chou. Hein? Abed Chou. Qui? Abed Chou. Qui ça? Boss. Oui. Boss Abed Chou. Il a fait quoi? Lui aussi, il est devenu des candidats. Ou blague avec les gens. J'étais giflé. Abed Achou, c'est un commerçant. Il vend riz et sucre. Et les boîtes et les poulets. Lui, c'est un opérateur économique. C'est pas un futur député, ni sénateur, ni. Il n'est pas dedans. Il peut en aucun jour entrer dans cette histoire-là. Jamais de jamais. Olignaté. Non. Lui-même, il ne peut pas. Lui va rester toujours. Gaz de Mawet et chante, Inos Bi chante. Ça reste comme ça. C'est un opérateur économique, c'est pas un politicien. Il ne peut pas mettre la tête dedans là-bas. Oui, oui. Bambo, tu es un patron. Il y a RDC. Il y a pas trop. Au Congo, on n'a pas beaucoup de patrons. Hein. Abidjanka. Bon, à Abidjan, il y a beaucoup de patrons. C'est comme les pépignons. Mais au Congo, on a quelques-uns. Tangamwa. Je salue Eric Mandala. Patron. Patron des patrons. Voilà. Et puis, je salue Junior Sanza. Patron. Patron du patron. Je salue Michel Carrera. Patron. Petrocam, patron du patron. Je salue Trésor Moutiki. Patron. L'avenir de la nation. L'espoir de la jeunesse. Mon président Trésor Moutiki. Donc je salue en même temps Kiki Tengue et tout le staff.
Donc ça, ce sont des vrais patrons. Mmh. Et puis, je salue encore Eddy Garambi. Mmh. Eddy Murphy, leader de l'Est. Mmh. Patron. Before Biselele. Mmh. Patron de patrons. Et vous, patron Sankara, de goût à boire en rebelle la plupart. Non, ce sont des pantalons, ce n'est pas des patrons. Oh, bah, patron Sankara boire. Ah, patron de pantalons. Pantalons de Madofolo, il y en a beaucoup de pantalons. C'est... Oh. Peut-être que tu avais mal compris le français. Sankara de goût à patron non, boire. Je t'ai dit que c'est mon ami. Mm. Il sait que la plupart des patrons, quel patron banane. Oh, bah, c'est le boy Manzaka Malio. C'est pas un patron, c'est un débrouillard. Et moi, je n'étais pas de vrai patron. Oh. La Difumu. Abel Achou, la c'est un patron, mais dans les riz, poulet, tout ça là. Abel oui, c'est un patron, c'est un opérateur économique. En aucun jour, mon frère, tu me suis. Mm. Si tu aimes ta vie, n'entre pas dans la politique congolaise. Mm. C'est pas ton histoire. Reste. Va-nous, en tout cas, va-nous le temps en temps quand maman, la première dame, maman Denise Nyakero, la première dame a besoin de riz pour donner des dons, en tout cas, comme tu fais. Mais sinon, n'entre pas dans la politique. Voilà, Abel Achou. Oui. Mmh. Oui, c'est. Il reste commerçant. C'est un commerçant. Aujourd'hui, Lédia a beaucoup d'argent, plus beaucoup de politiciens ici. Là. Lédia, il peut payer des politiciens. Voilà. Oui, mais il est commerçant. Mmh. Oui, oui, c'est un commerçant. Mmh. Donc je pense que la commerce, c'est mieux. Quand tu vois quelqu'un qui entre dans la politique, il veut devenir riche, c'est un volet. Mmh. Oui. Jeff. Oui, 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 il est derrière lui. Mmh. Ah, Jules Alenguet, tu ne blagues pas. Je t'ai dit que les choses ont changé. C'est dans les gens, tu voles, on ne va plus te mettre en prison. Oui, parce que tout le temps, la famille va venir chez Fati, papa, l'aigle, bien, tout bien, tchana. On ne veut plus de ça. Nous, on t'arrête. Ce n'est pas même Fati qui va dire que je l'ai arrêté. Donc, on t'arrête, pendaison direct. Chaque Congolais, il vient, il coupe sa partie. L'autre peut couper l'itoi, l'autre peut couper. Oui, l'autre peut couper. Oui, 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 il coupe ça. En tout cas, la partie-là que tu aimes, tu peux couper pour manger. Ouais, la loi-là doit rentrer. Comme ça, les gens, ils vont voir paix. Et si je vole ici, là, pendaison, je ne vais pas. Non, 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 non. Mais quand ici, que quand on vole ici la prison, 2, 3 mois, 4 mois après, beaucoup des avocats, beaucoup de Français, je connais Segundo Primo. On va changer cette histoire. Boss Pedro Banza. Je ne connais pas. Par contre, je connais le comte de Djobou. Tu connais le comte de Djobou, non? Cédric Banza. Oh. Ouais, quand tu parles de Banza, commence par Cédric Banza. Le comte de Djobou. Mm. Oui, et puis je salue notre président de Renaissance, Willy Mandala. L'homme qui a amené son argent, l'homme qui a offert des bis, lui, il ne commande pas l'argent. Hein. Lui, il a amené l'argent. Non, je t'ai dit. Renaissance. Non, Willy Mandala. Au bois qui l'évêque. Willy Mandala. Au bois qui l'évêque. Je t'ai dit Willy Mandala. Le seul Kouboyate, Pessambong, toute une équipe. Nous, on ne commande pas. Willy Mandala, il a amené l'argent. Bis, tout ça l'a donné. Direct. Yo Robo, merci Mbotesko na bato baotala yo. Bon auto kabona biso. En tout cas, plus au peuple congolais, Bozelanze Morabino ya patriotique. Mm. La chanson nationaliste. Hein? La chanson nationaliste. Eh oh yako mekana, faji beton. Ago ume la te ya kolongwa. Oyi bambongwa leta, oko kende na boloko. Oko kende. O finga moko njamboka, oko kende na bolo. Oko kende, ah to yembe la bango, prison, boloko, prison, ezo ze la bango, miyibi à l'état, ezo ze la bango. Fain a changé kota prison, ekouma, pandezon, et pandezon, ezo ze la bango, ou peine capitale, directement. Numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, plus 243-82. En plus, je suis en plein de tournage. Donc, je suis en train de recruter beaucoup de belles filles, de jolis garçons. Panayo. Ils en ont appelé, ils vont envoyer leurs photos, profils. On va voir ça, c'est WhatsApp. Donc, plus 243-82-71-500 et puis 80 à la fin. Plus 243, Kodamboka, Yoroboswag. 82. Il y aura bonsoir. Moi, je suis congolais. Donc, c'est quoi le code de mon pays? Vous blaguez, nous tous on est comme ça. Plus 243 que je suis. 82, 71, 500 et puis 80 à la fin. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, je salue Anthony Chis. Ouais, Anthony Chis, l'héritier du trône. On est en Afrique. On est des Bantous. On n'est pas des Occidents. Voilà. Puis, je salue Boss D. David de Mangaya. Je salue Fondation Monisco Bato Sankarabou. Au grand complet, non, toi tu connais pas.
Je t'ai dit, les gens qui partagent, ne me cite pas des petits individus, cite-moi les gens qui partagent. Hein? Après, ils vont dire que Yorobo a manqué quelqu'un de ce. Je manque, je suis très. Moi j'ai fait l'école, hein. Je suis très respectueux. Oui, je respecte les gens. Voilà. Mais souvent, quand je parle des gens que moi je connais, qui partagent, ne me rentre pas dans des petits délais là, je ne connais pas, je ne suis pas dedans, je n'ai jamais vu. Ouais, des prétentieux, moi je ne connais pas. Ok, moi je te parle de vrais gens. Voilà. Et puis, je salue mon papa. Mbengele Tamouku Kouete Constantin. Oui, là où repose le cœur de maman Monique, papa Nadi Grasna Joël Tamouku, mes vrais amis d'enfance. On a match à basket. Pour nous, on a une bonne vie. Hein. Voilà, merci. Ouais. Merci, Tokomi Nasuka. Déjà, toute ma nation. Boloko arrive. Et puis après Boloko, photo Bimisape, Bengana Bango. Fati beto papa basali le côté bengana bango ba yibi bambongo batongi ba immeuble bengana bango batinde bana na poto ba makango na Dubai bengana bango va arriver prophète okangisa o ana niveau ana te c'est pas un coffret c'est je sais pas un coffre ou un gofre ou mais en tout cas il est cherché l'homme de pétage lui-même il va aller péter quand il va être arrêté par la DEMIAP voilà qui s'occupe des antipatries comme lui. Merci Elenga Congo TV, Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka, La Mignonne et Martin Engi, double vitesse affusée, to zongeli susu, na force ya makasi poto luka bato makasi na kati ya Elenga Congo TV, Maman Arlette Fumu, toza déjà na Kinshasa, Ladi Fumu, motema ya Maman Arlette Fumu, na Pesibino Bambo te place Bozali, Martin Engi, double vitesse affusée, Freddy Ndongala, ni Souto Bosani. Faut aussi c'est un concert où on a plus de 200 000 personnes. Concert en Inde. Yanga in Abidjan. Ah. Il y a Mbappé na. Tout ça quand ça prête pas sur vous de couler. Hey. Kong. Fatih Beton demo au concert. Abidjan kuna ok. Mbappé Fatih Beton kuna. Tout ça tout à là. Tout cela là n'angot. Bah tout ça va au Lobani kuna. Mais au tout à là tu. T'as vu où quoi quoi. Mbappé président la bise sur la moka Mbappé na. Quand tu es un artiste international, ce n'est pas à Massina ou à Kisantu. Là, tu es encore local. À Gombe, tu fais des concerts. Au moins, petit langage, tu as une totalité. Tant que tu as une totalité, tu as une totalité. Au lieu de tchap, positif, tu as une négatif. Nous, on a vu que le pays a de la vaso. Tu as une identité de 3 ans passé dans 2 ans différents. Tu as une polémique. Tant que tu as une totalité, la chanson a disparu jusqu'aujourd'hui. Maintenant, ils ont un concert, ils ont un petit peu de temps, ils ont un intercommunal. Donc, ils ont un petit peu de intercommune. Attends, ils ont un petit peu de temps. Donc, ils ont. Vous voyez? Maman tchala moi n'a pas un béli fati. Ah, et ça quand il y a un intercommunal. Maman tchala moi. Non, il y a un union sacrée au cours de la société. Misous au bazar, ma problématique. Misous au bazar, bon, bah, changer ma casquette. N'est-ce qu'à Kibar ou Bakibi, je peux. N'est-ce qu'à Kibar ou Bakibi, oh, il y avait beaucoup de figurants, n'a pas mis la fatité. Bah, il y a côté qu'à face. À la base, ils n'ont rien à commettre avec les chefs de l'État. Les chefs de l'État restent les chefs de l'État. Mais quand il peut, musicien, misous au bachel, il colote. Bah, musicien, ils sont au royal, les logs à fatigue, béton pour l'élo. En tout cas, il y a Mouraï Baké, ils ont un succès à Inani. Voilà, biso pena to bandagi na ngona neto aussi la neto continue. Pour 2023 na biso batu ba kotika la ba combien? Ba trop. Papa François Béa, Gilles Alinguette anticorruption. IGF. Donc ba otu o biso ba gouvernement ba warrior ba komada ba wangila et sila kala ba okene. Ata moko tika. Ape boke tu azo zelo na ba commentaire. Te boke tu, c'est mon petit frère. Oh. Oui. Madame Niolo. Quand tu es un grand frère, on a cran na muke, tu deviens qui? On a bouqué tu premier. Parce que quand les cabesses est trop petit, c'est dit tu es un petit. Parce que quand tu es un petit et que Ozana crâne ya mikolo, tu es un grand. Ya ngomona ngomona mtu batata mo batambula la jeune garçon mo boy. Boy tu pourquoi va perdre confiance? Parce que il se met dans l'air grandeur. Ya ngomona nga ba concert en nga soko betate. Otalaka na betara ba daju na ba games. Na pona ngai batuna okalkile bangona ngana ke kalkile mutaki sasawa a démarrer ko tipane na GB ngapena démarrer na ngaku na zona 7 ba kombata ba sepeli na ote marambo ba kombata na poto ba kombata ba kongolais tozawa na biso nyoso towa ba kombata bo ke choza kombata papa ngaku tuna vrai kombata ngamna libera mbokoti we bangote
Merci, Yorobo, Torozoyo, Mbalasima, Elenge Congo TV, Martin Engi, double vitesse affusée, boulon nez.